Hello, hello everyone. Hello. Faudrait que je me trouve un moyen que le son fade out tranquillement. Là. Check ça, comment je vais essayer de faire ça. Yeah. Yeah, 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 yeah. Est-ce que ça fade out? Yo, yo. Yo, yo, yo. Hello, hello. Salut tout le monde. Est-ce que vous êtes déjà là? Est-ce qu'il y a du monde déjà dans la place? Oh yeah, 12 personnes déjà avec moi. Moi là, merci, je trouve ça tellement hot. Là. Je suis à chaque fois, là, je suis comme surpris qu'il y ait du monde qui veut écouter ça. Mais ça me fait énormément plaisir parce que, tu sais, les dessinateurs de BD, là, on est souvent tout seul dans notre bureau. Puis là, on peut partager enfin avec du monde. C'est vraiment cool. Fait que merci, merci d'être là. Allô Martine, il y a déjà une couple de personnes là. High on Ramens, encore là, merci d'être là. Michel Fafard, bonsoir, bonsoir. King Baz, puis n'hésitez pas à dire allô là. Franco on American. I don't know how to say your name. Mais ben, bienvenue à ce Joy of Painting du mois de novembre, du 23 novembre. Je dis jamais la date d'habitude, mais là, on l'a dit, on s'en crisse. Je suis encore un peu rouillé, hein? C'est mon deuxième Twitch depuis le retour, dans le fond. J'ai pris un long break cet été, j'ai fait un road trip, ceux qui étaient là la semaine passée le savent. Mais là, j'ai décidé de recommencer à chaque mardi à 9h. Ça va être ça, ma tradition. Fait que, ben, juste avant de commencer à dessiner, parce que j'ai déjà une couple d'idées de ce que je veux faire à soir pour un ami très spécial à moi, je veux juste dire merci à tous les gens qui sont sur Patreon, qui me supportent à travers ça. C'est grâce à vous que j'ai pu m'acheter une webcam, un iPad. C'est vous qui payez ma licence Photoshop. Fait que vous êtes comme des producteurs de tout ce que je fais. Fait que ça, merci énormément. Pour ceux qui ne le sont pas encore et qui veulent juste aller voir là, qu'est-ce qu'il y a sur le Patreon à Jake. Ben, le gros attrait, c'est les BD. C'est qu'il y a toutes mes BD qui sont là en format digital. Évidemment, les BD que j'ai produits moi-même, donc il n'y a pas Amos d'Aragon, il n'y a pas Alice, mais mes propres bébés à moi sont là. En format digital, sont toutes dispo pour 5$. Puis, fait que si vous allez là, ben vous faites maintenant partie des Good Sharks, des producteurs de tout ce que je fais. Puis, juste avant de se lancer dans le dessin, je vous rappelle qu'il y a le Jake Store qui est incredible, qui est full de print. Attends, je ne sais pas si je peux vous le montrer là, mais il y a un print que je me suis fait venir juste pour voir la qualité. Puis c'est un print de Alice. Attendez, je vais essayer d'aller chercher. Ah, il est loin, il ne sera pas là. Les bonniers. OK, attendez. Checkez ça. Je viens de réaliser comment je suis une pub humaine du Jake Store en ce moment. Parce que ça, c'est le beau print d'Alice, évidemment. Le reflet de la lumière et tout. C'est moyen, mais c'est un beau cadre en bois. Puis c'est solide, là. C'est super belle qualité. Pour vrai, j'étais full surpris en voyant ça arriver. J'étais comme « Ah! » OK, c'est pas un petit cadre en plastique, là, c'est comme classy. Puis regardez sur moi ce que j'ai. Ça, là, c'est un beau t-shirt de Good Shark. Ça, c'est le format jaune, mais il l'a dans toutes les couleurs. Puis, ben, c'est pour représenter ma phobie des requins blancs, ben oui, parce que à travers les années, j'ai essayé de me guérir de ma phobie. Puis, ben, je trouve que symboliquement, ça fit que, tu sais, les Patreons soient mes good sharks, vous m'aidez à thérapeutiser tout ça. Là, c'est un mot, ça, je sais pas. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, let's go, man. On dessine aujourd'hui de quoi d'assez spécial. Ah, allô, Sacha, salut. C'est François dans le I. Allô, Jake. King Baz qui dit ça. Yeah, salut tout le monde.
Donc, là, on se lance direct dans le dessin. Puis, écoutez, c'est la fête d'un de mes bons amis aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il est sur Twitch. Ça serait bien le fun, mais je pense pas qu'il est sur Twitch. Mais il s'agit de mon grand ami Laurent Boutin. Et Laurent, ben, il a plusieurs passions dans la vie. C'est un grand fan de BD, mais c'est surtout un immense fan de Galactus. Fait qu'on va s'écouter un peu de musique et on va dessiner Galactus ensemble. Vous me direz si le son est correct pour la musique. Bon, c'est pas ça que je voulais mettre, excusez. Et voilà, yeah! Est-ce que c'est trop fort? Est-ce que c'est pas assez fort? Dites-moi ça avant qu'on se lance. Là. Moi, je me suis préparé un petit beau vril. Je vais boire ça, relax. Allô, Cab! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, Cab. Pour les gens dans le Twitch, si vous ne connaissez pas Cab, c'est aussi une autrice de BD assez extraordinaire. Allez checker son webcomic U-Town. Allez aussi un Patreon, mais je pense qu'on peut lire le webcomic aussi sur utown.com, U-Town Comic. Attends, je ne veux pas dire n'importe quoi. Là. Je vais juste le chercher là. utowncomic.com, exact. Allez checker ça. Moi, c'est mon webcomic préféré du moment. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait que c'est la fête à Laurent Boutin. Et on va dessiner un Galactus. Puis là, j'aime ça essayer des affaires. Tu sais, je fais un challenge. À tous les jours, je poste une image depuis le début de l'année. J'ai hâte que ça finisse, honnêtement. C'est une expérience très instructive, mais c'est un peu intense publier un dessin par jour. Puis bizarrement, les algorithmes n'aiment pas beaucoup ça. Mais par contre, ça me permet de, à chaque dessin, essayer de quoi de différent. Fait que des fois, tu sais, je vais essayer une technique différente, un brush différent. Puis des fois, je vais juste comme dans les menus de Procreate, le logiciel que vous voyez présentement, puis j'essaye. J'essaye une fonction. Puis là, j'ai eu envie d'essayer la symétrie. Donc, vous voyez, hop. Non, je pensais qu'il était activé. Il faut que j'active ça avant. Fait que symmetry, done. Et voilà. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est hot quand on veut faire un dessin comme Galactus qui est comme quand même détaillé. On le reconnaît déjà, là. Le meilleur character design, c'est quand on peut le reconnaître facilement, même juste avec une silhouette ou quelques traits, là. Puis Galactus, il est comme ça. Tu le vois une fois, puis tu le reconnais, là. Fait que, ben, pendant qu'on est là, qu'on est tous ensemble, c'est de la triche. Ben oui, c'est de la triche. Mais hein, man, mais hein. Ben, tu sais, good luck pour faire une BD de même. Une illustration, ça passe, mais une BD, c'est moyen. Là, je l'ai comme fait un petit peu trop gros, fait que je vais juste le rapetisser. Est-ce que ma symétrie va encore fonctionner? On le sait pas. Ah oui, ça fonctionne toujours. C'est bon. Galactus, c'est un pot de peinture sur la tête avec deux cornes, oui. Galactus, c'est ma planète préférée. Ah, ça, c'est une référence à un de mes films préférés, qui est Mandy. My God, deep cut, man. S'il y a des gens qui n'ont pas vu Mandy ici, ça vous manque, ça manque à votre vie. C'est un film avec Nicolas Cage, mais
Ne vous laissez pas duper. C'est pas juste. Même si oui, il y a une scène que Nicolas Cage pète une coche, mais c'est pas juste ça le film, là. C'est par un réalisateur qui n'a pas fait beaucoup de films. Je pense qu'il a juste fait un film avant qui s'appelle Panos Cosmatos. Le nom le plus cool au monde. Panos Cosmatos. Puis moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué là, par son originalité. Puis c'est vraiment. C'est un film unique. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Ah, puis quand j'efface, il efface l'autre bord aussi. Ah, ben, c'est incroyable. Je pensais que l'efface ne comptait pas. Donc, ce que j'allais dire, c'est vu que je dessine comme ça, puis je suis quand même zen, là, vous le voyez avec mon petit Beauvril qui est ici. N'hésitez pas à me poser des questions sur n'importe quoi. Il n'y a pas un sujet tabou ni une question conne. Ça peut être sur la BD, sur les techniques de dessin, sur. Mes fabuleux t-shirts de Good Shark, ça peut être vraiment sur ce que vous voulez. Moi, ça, j'aime ça parce que ça nous fait interagir ensemble, ça me fait vous jaser, puis en même temps, ça me fait de quoi à dire. Vous êtes déjà une vingtaine, fait que hey, bienvenue tout le monde. Là, par exemple, je vais essayer de quoi. Je sais pas si ça va fonctionner, OK? Mais c'est parce que je sais pas si je transforme mon image. Bon, ça a l'air de marcher. Je voulais voir si la symétrie se gardait toujours, mais ça a l'air que oui. Ben oui. Puis, j'ai pas de référence en ce moment de Galactus, fait que je vais vraiment de mémoire, mais je me rappelle de la shape générale du personnage, évidemment. Mais j'ai pas de modèle là, à côté de moi, fait que j'y vais un peu freeform. Je me rappelle que même s'il y a de l'air très robotique et stoïque, il y a vraiment des traits faciaux humains, là. Il y a vraiment un vrai nez, une vraie bouche. Puis j'ai tout le temps trouvé ça comme super intéressant comme design, là. OK. Donc, la Gorgone dit « C'est extraordinaire, Mandy. » Mais hein, c'est certain que c'est extraordinaire. Pour vrai, moi, je l'ai vu plusieurs fois, ce film-là. Là, puis à chaque fois, on dirait que je l'aime de plus en plus. Là. J'aimerais tellement savoir un T-shirt de Mandy, mais tu sais, avec le logo qui... Parce qu'il y a beaucoup de T-shirts de Mandy que j'ai cherché en ligne. Mais il n'y en a pas un avec juste le logo, tu sais, comme un peu death metal. Là. Puis c'est vraiment ce design-là que je préfère. Oli Carpentier, allô, Oli. Oli, qui est aussi un auteur de BD, qui vient de sortir une BD Ninja dernièrement, mais qui est aussi l'auteur de Far Out. Je sais pas. Oli, si tu veux partager ton Instagram, là, vas-y fort, il n'y a pas de gêne. Pour le monde, c'est juste cool parce que il y a peut-être des gens qui font comme ah, je sais pas c'est qui, puis ils peuvent aller voir tout de suite. T'sais. C'est-tu beau, la symétrie, hein? Mais, hein? Ouais, c'est... Parce que là, j'ai lu deux messages en même temps. J'ai lu Oli Carpentier puis les Mystérieux E. Je sais bien pas c'est qui écrit sur le compte des Mystérieux E.
J'ai lu, c'est bien hot cette fonction symétrique-là, puis en même temps, j'ai lu bonne séance de DP, mais vu que je les ai lus en même temps, j'ai fait cette fonction symétrique-là de DP. Puis j'étais comme, ben oui, ça peut être symétrique aussi. C'est... Fait que là, au dernier épisode des Mystérieux, pour les gens qui ne le savent pas, je fais partie d'un podcast, un des premiers podcasts au Québec de culture générale, culture populaire, qui s'appelle Les Mystérieux Automnales, les check à ça. Puis au cours du dernier épisode, on faisait beaucoup de jokes sur le DP, parce que Digital Painting, ça fait DP. Puis là, après ça, je suis allé faire une petite recherche sur c'est quoi la définition de DP. Évidemment, il y en a une qui sort assez rapidement, mais il y en a plein d'autres aussi. Fait que ça peut être un director of photography. Ça peut être... en tout cas, ça peut être plein de choses. Fait que... c'est pas nécessairement ça. Est-ce que vous entendez bien la musique? High on Ramens dit « Terror Treads ont un nice t-shirt avec le logo de Death Metal de Mandy. » Hey, man, je veux checker ça. Si tu peux m'envoyer un link, là, j'apprécierais. Puis ce qui me fait capoter un peu de cette fonction-là de symétrie, c'est que... Là, je pourrais pas faire d'exemple parce que sinon, ça va défaire mes settings, là, mais c'est que normalement, tu sais, si tu fais un design mécanique puis que tu fais un peu des lignes random, ben tu sais, ça peut avoir l'air bizarre parce que un côté ne suit pas nécessairement l'autre. Sauf que là, si je fais n'importe quoi, ça a l'air d'être comme voulu dans le design parce que l'autre côté est identique. Fait que même si les lignes sont croches, puis même si le design fait pas de sens, on dirait que ça fonctionne pareil. Ok, je pense que j'ai manqué une couple de messages. Salut Jake, j'ai reçu le nouvel à Jean-Jean et en le feuilletant, j'ai vu que tu avais un Variant Art. Je voulais savoir, est-ce que Alex A est un ami ou c'est l'éditeur qui t'a approché? Non, Alex A, c'est un ami. C'est même quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ça fait longtemps qu'on se côtoie, mettons, mais c'est plus au cours de la dernière année qu'on est devenu plus proche, plus chum. Puis c'est lui qui est venu me chercher. Il m'a demandé, il a dit « Hey, tu veux-tu faire, tu sais, comme un... » Tu sais, souvent dans les comic books américains, il y a ça, là, à la fin, le genre des genres de art gallery, des variations du personnage, mais avec des styles de dessinateurs différents. Fait que là, j'étais comme « Ah ouais, mais ça, bonne idée, tu sais. » Puis, là, il a fait, tu sais, ta carte blanche, là. Tu fais ce que tu veux, tu sais. Fait que là, j'ai fait « Ok, ok. » Puis là, j'essaie de penser, puis... Les discussions d'Alexa puis moi, en fait, on a un gros amour en commun qui est Dark Knight Returns, qui est probablement ma BD préférée à vie. Fait que là, j'étais comme, OK, fais-tu la Jean-Jean en Dark Knight Returns? Puis là, j'étais comme, ah, mais tu sais, puis finalement, je l'ai faite, puis c'était pas clair, parce que j'essayais de copier... ben, regarde, je l'ai quelque part ici, je vais vous le montrer.
j'essayais de copier un cover que Frank Miller avait fait. Puis finalement, je sais pas pourquoi, ça cliquait pas tant que ça. Fait que j'ai décidé de le faire dans le style de Sin City. Donc, on sait que Dark Knight Returns a été créé par Frank Miller. Frank Miller est le créateur de Sin City. Fait que c'est pour ça que j'ai marqué After FM ici. Puis quand il l'a vu, il a tout de suite catché, il a fait « Oh my God, la Jean-Jean en style Sin City, c'est malade! » Fait que voilà. Ah, vous n'entendez pas de musique. Il y a toujours un peu de symétrie impliquée dans le DP. Ben oui, c'est ça. Je sais pas si je peux vous montrer ça de même. Non, c'est ça. J'ai fait un copier-coller. Okay, c'est bon. Donc, on va retourner à Galactus. Ah, regardez, je vais remettre la musique, c'est parce que j'avais oublié que j'avais comme enlevé le son. Là, vous devez l'entendre un petit peu. Bon, là, ça arrêtait en même temps que j'ai dit ça. Mais... Et voilà, vous l'entendez un peu, là. J'ai mis une playlist random parce que je sais jamais quoi mettre en dessinant, puis ça me tente pas de gérer ça, fait que... J'ai envie, tu sais, comme souvent de mettre une vidéo super longue. Mais là, c'est de la musique de PlayStation 1 parce que je sais pas, je suis comme nostalgique des fois de la musique de Play 1. Puis fait que tu sais, là-dedans, il y a comme plein de trucs genre. Des tonnes de Metal Gear. The Vagrant Story. Vous l'entendez bien? Ah, merci Antoine WK. Salut, man. Content de t'avoir. Ben oui, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on le reconnaît bien. Mais bizarrement, c'est pas une. C'est la pose de Batman sur un cover de Dark Knight Returns, mais c'est pas ça parce que c'est dessiné dans le style de Sin City. T'sais. Regardez ça, qu'est-ce qu'on a réussi à faire en 26 minutes. Vive la symétrie. Ça pouvait être de même, hein, pour toutes les illustrations qu'on fait. Là.
OK, OK. On a une question un peu deep de Nate Marm. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour surmonter la peur de l'échec en tant qu'auteur-artiste? C'est une super bonne question. Pour vrai, j'ai envie de répondre en deux temps, là. De un, je sais pas s'il faut la surmonter. Il faut la surmonter dans une mesure où c'est que faut pas que ça nous bloque puis ça nous paralyse à être créatif. Par contre, je pense que c'est une bonne chose d'avoir peur créativement. Quand tu arrêtes d'avoir peur puis quand que tu es juste sûr de toi là, ça veut dire que de un, t'apprends plus parce que tu penses que you got it all figured out. Puis, de deux, tu te remets pas en question, tu sais. Fait que, je pense que c'est vraiment un mélange entre, tu sais, pas avoir une confiance aveugle dans tout ce qu'on fait, parce que justement, tu sais, si t'es le seul fou dans la place, tu t'en rends pas compte que t'es fou, là. J'ai lu une phrase, moi, qui me fait bien rire, mais qui est la confiance est donné en prix de consolation aux artistes qui n'ont pas de talent. Je pense que tous les grands artistes, ceux que j'admire, ils sont constamment genre en train de se remettre en question, en train de se demander si c'est assez bon ce qu'ils ont fait. Quand tu te poses plus cette question-là, tant qu'à moi, t'arrêtes d'évoluer. Par contre, si cette peur-là t'empêche d'avancer, puis t'empêche de produire des affaires, ben là, c'est vrai que c'est un vrai problème. T'sais. Là, on parle plus de confiance, on parle d'angoisse qui paralyse la créativité. T'sais. Puis ça, pour vrai, je sais pas c'est quoi, comment se défaire de ça. Je pense que d'accepter que ça sera jamais parfait, puis de se dire que si c'est un échec, si c'est une erreur ce qu'on fait, ben faut apprendre de ça pour la prochaine fois. T'sais. Si on est dans ce mindset-là, je pense que c'est possible de s'en sortir puis de continuer à produire. Mais c'est correct d'avoir peur. C'est correct de penser qu'on est poche. On peut aussi faker de la confiance. Ça, je pense que ça peut être pratique. Quand j'ai fait mes premiers Comic-Con, ça me tente pas d'écouter ça. Qu'est-ce qu'on écoute? On va mettre d'autres choses. Je vais mettre de quoi de full dark. Wow! Excusez. OK. Qu'est-ce que je disais? J'ai comme perdu mon point. On parlait de faker de la confiance des fois. Oui, c'est ça que j'allais raconter. C'est que quand j'ai été à mes premiers Comic-Con de San Diego, j'y allais tout seul, tu sais, au début. Puis un moment donné, j'ai comme catché que je pouvais pas jouer l'artiste. Fallait que j'y aille là en tant que vendeur de Jake Dion, tu sais. Puis c'est dur à faire ça parce que on est tellement critique de son propre art, puis on n'a pas envie de dire « Hey, check ça, c'est le dessin le plus cool que tu as vu de ta vie. » Sauf que il a fallu que je me crée une espèce de fausse confiance juste pour me présenter à des éditeurs. T'sais. Parce que si tu te présentes, puis tu es tout le temps comme « Ouais, ben tu checkeras, mais c'est pas si bon que ça ce que je fais. » c'est
C'est pas winner, ben. Fait que j'ai comme faké, comme j'ai essayé de faire comme si je parlais de quelqu'un d'autre, dans le fond. Comme si l'art que je présentais, c'était pas le mien. Puis pour vrai, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à me pogner des contrats, ça m'a aidé à mieux me présenter. Évidemment, tu sais, faut pas que t'aies l'air d'un asshole non plus, là. Le but, c'est pas de... Mais tu sais, c'est juste d'enlever le côté un peu artiste insécure, là. Voilà. Je vais lire les autres questions. Antoine de Bouquet dit « Mes filles sont d'immenses fans de la Jean-Jean. Cool. Je suis sûr qu'on va avoir le nouveau à la maison à un moment donné. » Ben, man, ce qui est hot, c'est que quand tu vas l'avoir, ben, tu vas avoir un dessin inspiré de Sin City dans un volume de la Jean-Jean. C'est quand même très hot, là. Michel Fafard dit « Ton Galactus ressemble à ce qu'aurait fait Moebius, mon Dieu, Seigneur. Si Marvel l'avait laissé faire, wow, ben, premièrement, man, méchant compliment. C'est... Moi, Moebius, c'est comme mon idole de vie, là. Mais après ça, je sais pas si Marvel ont censuré Moebius. Je pense pas. J'ai l'impression que Moebius a fait son truc. Moi, je l'ai, cette BD-là, en giant size, là. Puis je sens pas que c'est fait censurer. Peut-être que je me trompe, là. Peut-être que... Mais tu sais, je pense que le but de Marvel, c'était ça, là. C'était de faire comme... OK, voyons voir ce que Moebius ferait avec... Puis même, je pense que c'était Stan Lee qui avait écrit l'histoire. C'est Stan Lee qui a écrit l'histoire. Fait que je sais pas s'il a été censuré tant que ça. Mais merci quand même du compliment. C'est fucking... C'est fucking hot comme compliment. L'Alimette dit « Il est malade ton Galactus ». Ben merci, my God, merci. King Bass dit « Si tu t'assois sur tes lauriers, t'avances pas ». Ben exactement, c'est ça que je voulais exprimer tantôt. Michel Fafard, question. Est-ce que tu as suivi des cours de dessin ou t'es autodidacte? Je crois que tu en as déjà parlé dans un épisode des Mystérieux, mais je me souviens plus de la réponse. Oui, exactement, je suis complètement autodidacte. J'ai jamais pris de cours de dessin d'aucune part. J'ai tout le temps appris par moi-même. Par contre, j'ai été chanceux parce que mes parents me supportaient énormément dès mon jeune âge. Puis mes parents, à un moment donné, se sont lancés... en tout cas, ils ont eu comme une entreprise... De café Internet, puis ils voulaient se munir de pas mal d'équipements, puis ils m'ont acheté, ben c'était pour le café Internet, mais c'était pour moi aussi, là, une tablette graphique, fait que j'ai commencé à gosser là-dessus quand même jeune. Puis mon vrai cours, là, ça a été quand je me suis fait engager en jeu vidéo. J'ai passé l'entrevue, ça s'est comme bien passé, puis dans l'entrevue, ils m'ont dit, tu sais, servir de Photoshop, puis tu sais, écoute, je savais comment ouvrir des fichiers, mais tu sais, j'avais aucune idée, je savais même pas que tu pouvais mettre la pression sur le crayon de la Cintiq, là, tu sais. Fait que je savais pas trop ce que je faisais, puis dans mes premiers jours où je travaillais en jeu vidéo, j'ai juste été voir le dessinateur à côté de moi, puis j'ai dit, ouais, toi... C'est quoi ta technique dans Photoshop? Puis tu dis, ben, la technique normale, là, je prends un brush, puis là, je checkais. OK, va dans ces settings. Ah ouais, c'est intéressant. J'avais aucune idée comment il faisait. Fait que c'est vraiment par là que j'ai appris, là. OK, là, je crois que... OK, on va essayer de quoi, mais je suis pas sûr que ça va fonctionner. C'est que je veux le mettre en couleur, mais
Mais je sais pas si la symétrie, ça va... Je sais pas à quoi ça va ressembler, la symétrie en couleur. Fait que, t'sais, si, mettons... Ah, bon, regarde, tu vois ça... Ah, c'est parce que c'est pas sur le même layer. Bon, ben, tant mieux, c'est ce que je voulais pas non plus mettre de la symétrie en couleur. Fait que c'est le temps de le mettre en couleur, guys. Je peux peut-être switcher au full screen. Fake it till you make it, et voilà, exactement, c'est ça que c'est un peu ça que je disais tantôt. Le but, c'est tout le temps d'être sur l'équilibre entre l'arrogance, mais la confiance en soi, puis la peur, mais la peur qui paralyse pas. Mais comme je disais tantôt, c'est correct d'avoir peur, c'est correct de commencer un nouveau projet, puis pas être sûr de soi. Je pense que c'est une bonne chose, en fait. Ça fait qu'on a l'impression d'avancer aussi parce que c'est comme un nouveau défi, tu sais. Okay. On va juste faire un petit recap. J'aime bien ça, voir ça, pendant que je peux lire vos commentaires un peu. Dredge. Allô, Dredge. C'est vraiment cool, Top Money Live. J'adore le contenu que tu poses sur Facebook. Ah, ben, man, merci. C'est super cool. J'apprécie beaucoup. Nous, on fait du crafting sur costume en t'écoutant. Nice. Cosplay Tina, c'est donc bien hot. C'est un costume de quoi que tu fais en ce moment? King Baz, tu prépares-tu une palette avant ou c'est au feeling? C'est au feeling, ben raide. Pour des BD, souvent, je vais me faire une palette parce que ça représente une ambiance qui va être dans plusieurs cases, mais pour une illustration comme ça, j'y vais au feeling. Puis c'est qu'en fait, je mixe mes couleurs ensemble. Fait que tu sais, j'ai un brush que si je pèse pas fort, ben j'ai juste à sélectionner cette couleur-là ensuite. Fait que, tu sais, mes couleurs se mergent ensemble. Hein. Puis, tu sais, ce que je fais aussi pour aller plus vite... souvent, je vais choisir une couleur... Mettons une couleur plus claire, là, qui va être comme de la lumière. Fait que souvent, je vais dans les rangées. Je me pogne un gros brush flou.
Puis, tu sais, je vais. C'est ça, souvent, je vais comme gosser de même sans trop savoir où je m'en vais, mais juste pour avoir des valeurs de couleurs différentes. Pour pas que ça soit le même rose ou le même violet partout. Là. Puis, ce que je vais faire aussi, des fois, je me rajoute un layer par-dessus avec une couleur foncée. Souvent assez saturé quand même. Puis j'y vais vraiment, tu sais, un peu sketch, un peu loose. Vous allez voir, tu sais, quand je finis mon ombrage, dans le fond, là, je prends ce layer-là, puis je le mets en opacité moyenne. On dirait qu'il y a deux soundtracks qui jouent en même temps, mais c'est bien la même. Est-ce que quelqu'un reconnaît la musique qu'on écoute en ce moment? Fait que tu sais, là, je vais prendre ce layer-là, puis je vais le mettre, mettons, 50% ou, tu sais, 70%. Et après ça, je peux venir par-dessus tout, même la ligne. Puis me choisir une couleur quand même claire. Puis on peut venir faire des petits détails, là, tu sais. Prendre un brush un petit peu plus fin. Ça, normalement, je fais ça pour comme créer du volume un peu ou des highlights. Je vous rappelle que cette illustration-là est dédiée à un de mes amis, car c'est sa fête aujourd'hui, c'est Laurent Boutin. Oui, Comic-Con dans 2 semaines. Oui. Moi, j'ai comme pas encore la tête à ça parce que je fais le salon du livre en fin de semaine. Mais oui, ça va être cool, le Comic-Con. Je vais faire une annonce en temps et lieu. Mais pour les gens qui écoutent là, si vous avez l'intention de venir au Comic-Con, je vais être là toute la fin de semaine. Le vendredi, ça commence le soir. Mais après ça, je pense que je suis là de midi jusqu'à la fermeture là, à tous les jours. Ben oui, ça va être un beau trip, ça, de voir le monde, d'être entre nous autres aussi, en tant qu'avec nos potes auteurs. Cosplay Tina dit, j'ai un shooting demain de Harley Quinn mixé avec Pennywise. Oh my God, tellement un bon fit. My God, hey, ça doit être terrifiant, ça. Mais j'aimerais ça, voir ça. Si tu veux partager, t'as-tu un Instagram ou quelque chose, vas-y faire ça. J'aimerais, je suis très curieux de voir ça. Je sais que ton shooting, c'est demain, là, mais je vais pouvoir te suivre ou quelque chose.
Hey, je vais essayer de quoi? Okay, je suis pas sûr que ça va fonctionner, mais peut-être pour les highlights, ça va aller plus vite, là. Ah ouais. Parce que, tu sais, honnêtement, vu que j'ai fait plein de petits détails, ça fit que les highlights soient symétriques aussi, là. Puis à la toute fin, je vais l'enlever, l'effet de symétrie, puis je vais retoucher quelques parties pour pas que ça soit trop... Parce que si c'est trop symétrique, ça a l'air artificiel aussi, là. Quoi qu'avec Galactus, ça fit qu'il y ait de l'air artificiel, mais... Ok. Dredge du soundtrack de. Tout le monde hésite. King Baz. Et il travaille pas El Boutin enfin après tant d'années. Mais, hein, man, je suis tellement content pour lui. Là. Je sais pas s'il faisait de quoi de spécial là, ce soir. J'y souhaite de prendre une bonne bière. Faire un bon souper, puis peut-être s'écouter un petit film de Godzilla. Al Carpentier, c'est tout ça fait pour vrai. Ben oui, là, c'est vrai, là. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai jamais catché l'origine de ce gag-là. Là. Mais il y a un gag qu'on souhaite tout le temps bonne fête à Laurent Boutin. Puis là, il y a tout le temps quelqu'un qui fait c'est ta fête pour vrai. Puis là, ben non. Puis c'est pas un gag avec d'autres amis, là. C'est juste Laurent qui a le droit d'avoir ce gag-là. Ouais, ben, je suis content parce que la symétrie fonctionne. C'est vraiment, je m'attendais pas que ça fasse un résultat aussi. Mais tu sais, évidemment, ça dépend du thème. Hein. C'est là, ça fit pour Galactus. N'importe quel autre thème. Tu sais, je pense que juste un visage humain, il faudrait que je le modifie par après parce que ça serait trop weird, là, tu sais. Une face symétrique parfaite, là. Ça existe, là, mais c'est pas naturel. Est-ce qu'on a une date pour le retour de Terre Kaiju? Ben, c'est supposé être cette semaine. On a déjà enregistré le premier épisode. Je l'ai envoyé à Benoît. On enregistre le deuxième épisode de la saison 2 la semaine prochaine. Fait que s'il n'est pas sorti encore, là, ça devrait pas tarder. Je pense que Ben m'avait dit qu'il le mettrait en ligne mercredi.
OK, là, le gros des détails est fait. Moi, après ça, je vais peut-être ajouter un peu plus d'effet de lumière quand même. Puis évidemment, les yeux. Une fois que j'ai enlevé l'effet symétrie, on dirait que ça me fuck. OK, là, ce que je vais faire, un dernier petit truc à vous montrer. C'est des sélections, en fait. Fait que tu te pognes une couleur un peu random, mettons, vert fluo. Tu te pognes un brush. Et là, je vais juste sélectionner, je vais me faire un masque, dans le fond. Ça aussi, j'aurais pu le faire en symétrie, à bien y penser. Hein. Sélectionner la deuxième partie. OK, fait que là, on a une sélection ici. Faut juste merger les deux ensemble. Fait que si on sélectionne ça, tu fais « Select » dans le petit menu, on peut le rendre invisible. Tout ce qui est en vert est sélectionné. Fait que après, si on se rajoute un autre layer, encore là avec, j'aime bien le brush flou là, pour l'effet que je veux faire. Ben c'est que ça va jamais affecter le fond dans le fond. Fait qu'on peut faire comme... Encore là, créer des effets de volume avec ça. Puis on peut même faire l'inverse aussi, c'est-à-dire tu sélectionnes ça,
Mais là, on inverse la sélection. Puis ensuite, on peut... Celle-là, je suis comme pas sûr là, de la couleur que j'ai faite. Ouais, ça c'est bon ça. Là, j'ai l'air d'avoir de beaucoup de layers, mais honnêtement, c'est juste parce que je prends pas le temps de tout fusionner ensemble, mais normalement, je merge tout le temps. Puis là, je trouve qu'il manque quand même un petit quelque chose. Moi, j'aime bien quand il y a de la texture, là. Vous me connaissez. Fait que ce que je vais faire, je vais essayer de trouver un autre fichier. Ouais, je pense que ce genre de texture-là, ça fitterait. Puis ça, j'aime ça à la fin, là, faire comme un peu n'importe quoi, là, t'sais, essayer de créer des accidents des fois, là. T'sais, on sait jamais, là. Mais c'est comme tu mets un layer puis tu le mets en plein d'autres modes, là. Des fois, ça peut. On peut se ramasser avec des effets cool. Des fois, non. C'est correct aussi. C'est comme ça, j'ai pas ça, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il manque de contraste un peu? On dirait que oui, hein? Peut-être me rajouter un peu de contraste, là. Surtout au niveau ici, hein? Il manque de relief, ouais, c'est ça, hein? C'est un peu flat.
ce que je veux faire pendant tout. Il y a quelque chose là qui m'a gossé quelque part, ouais. Quand on doute, là, checkez bien ça. Quand on doute, ce qu'on fait, on va dupliquer. Comme ça, on est sûr de ne pas perdre nos trucs qu'on a fait avant. Après ça. Mettons, je me dis, à part ma sélection, là, je vais tout flatter ensemble. Après ça, on met tout un layer en noir et blanc par-dessus. On vire ça en couleur, en mode couleur. Clac. Puis ça, ça nous aide à voir nos valeurs, notre tonalité de couleur. Fait que là, tu sais, avec mes trucs par-dessus, là, si je l'enlève, je suis comme, OK, ouais. Puis même des fois, juste en le mettant à 50%, ça nous aide aussi à faire comme, OK, c'est où qui manque de détails, c'est où que c'est trop confus. Tu sais, clairement, c'est trop saturé au centre. Ça, c'est une erreur que j'ai faite tantôt en rajoutant d'autres layers, mais c'est pas grave. Puis après ça, si on reprend notre layer puis on le met à 100%, mettons, là je décide de le mettre à 38, mais mettons qu'il est à 100%. On peut se créer une courbe par-dessus. Fait qu'encore là, copy all, paste, puis ici dans curves, color balance curves. On peut genre modifier notre contraste ici là. Puis des fois ça fait juste nous aider à voir comme OK, check, il manque clairement t'sais, du blanc là. Fait que si j'enlève ça, ça c'est beaucoup trop fort. Cab. Un drop shadow sur les cornes pour les éloigner. Bonne idée, très bonne idée. Puis là, tu sais, comme ça, on peut comparer nos deux images. T'sais. Oh, l'autre, tu vois qu'elle est super saturée. En même temps, j'ai pas ça. C'est peut-être un petit peu too much, mais j'aimais bien le fait que ce soit un peu criard. Là, tu sais, ça fait, je sais pas. Ça fait Galactus, tu sais.
Happy Accidents. Voilà, Bob Ross nous a appris ça. Cosplay Tina, vraiment nice, merci. High on Ramen, c'est malade, j'en prendrai un pour un. I'd buy that for a dollar. Michel, bah, hey Michel, bye. Je pense que t'es déjà parti. Je lis les messages un peu en retard, mais bon, moi je vais y aller probablement me coucher à bonne heure. À plus. Cap dit, ah man, il est quasiment parfait là. You know, juste pour accentuer la curve de sa tête en slide. Bon, là j'ai aucune idée de ce que tu veux dire. J'ai changé d'image. Tu voulais-tu faire référence à l'autre? Parce que l'autre, finalement, tu sais, je l'ai full désaturé, puis on dirait que je. Je sais pas. Tu sais, si on compare les deux. OK. Aimez-vous mieux la proposition A? Ça, c'est A. OK. Je vais le laisser de même, là. Puis là, vous votez. Vous dites A ou B. Proposition A, c'est ça. Proposition B, c'est ça. C'est plus saturé. J'ai pas rapport à faire des commentaires en retard comme ça. Suis ton instinct, mon beau Jake. A, donc A, c'est moins saturé. Vous aimez mieux ça? A, higher on Ramens. B, Vib Cyberpunk. Yes. Don't ask them what they want. Give them what they need. À date, j'ai deux votes pour A. Je répète, ça c'est A, ça c'est B. J'ai deux votes pour A, un vote pour B. En noir et blanc, ouais, complètement noir et blanc. Je sais qu'on va le faire. Complètement noir et blanc, là, ça donne... Fait que là, ça va être... Attendez, là. C, I guess. OK. OK, on en repart. A, là, tout le monde vote pour A à date. OK, ça, c'est A. Ça, c'est B. Ça, c'est C. Tout le monde dit A, hein? OK, c'est bon. Je respecte le vote du peuple. Ça va être ça. On va le dédier à Laurent Boutin. OK, réessayons un petit time-lapse pour voir, là. Ah oui, c'est gossant un peu, ça. C'est tout de côté. Okay. Mais tu sais quoi, je pense que je vais mettre le background noir. Ça ferait du sens.
excusez, là, normalement, je jase plus que ça. C'est juste que là, c'est d'habitude, là, pour vrai, je sais pas mal où si je m'en vais quand je dessine. Puis même quand je le sais pas, tu sais, j'improvise, puis je me pose pas de questions. Là, on dirait que depuis tantôt, je suis juste dans le tweaking, là. Fait que je suis moins jasant dans ce temps-là, mais c'est pas parce que ça me tente pas de vous parler, là. N'inquiétez-vous pas. La playlist, c'est... Personne ne le catch encore, mais c'est la musique de Silent Hill. C'est un mix des trois premiers Silent Hill, je crois, ouais. Le compositeur était bien inspiré de Portishead, puis... du genre de mouvement un peu trip-hop à la fin des années 90. Ouais, je regarde en haut, là, puis je pense que... C'est le meilleur choix. Dernière petite affaire. Dernière.
I like it. Ouais, c'est ça. Et puis c'est rare que je fais ça. En plus, passer plus de temps à tweaker le dessin que de le travailler, là. Mais je pense que c'est ça. Moi, je suis satisfait. Je pourrais retravailler encore dessus pendant 20 ans, évidemment, mais... Je l'aime bien de même. Cab a dit sa torche en destime. Merci, Cab, t'es hot. On va-tu prendre une bière à l'espace bientôt? Ouais, c'est ça qui est plate, par exemple, en checkant le replay, là, c'est que il y a juste la fin qu'on dirait un stroboscope qui bug, là. Parce que je fais des retouches, fait que, tu sais, c'est pas fluide, c'est pas... Bon, mais on se voit jeudi, Oli et Cab. Ben voilà, moi je pense que j'ai terminé pour cette belle session de DP. The Joy of DP. J'aime ça que ce soit comme une heure et demie. Tu sais, en même temps, les gens ils ont comme pas le temps de partir. Le monde commence à être dedans, puis là c'est comme ah, ben on va revenir la semaine prochaine. Fait que voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Allez donc sur le Jake Store. Allez donc acheter un T-shirt pour quelqu'un ou un print pour Noël, pour vos proches. Tu sais, un print de genre un requin blanc, là. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui aimerait savoir ça. Pour vrai, je ne sais pas s'il y a des trucs super familiales sur mon Etsy. Mais tu sais, il y a les prints de pochettes de livres de Sénécal. Fait que tu sais, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui tripe Sénécal, ça peut être une bonne idée. Puis il y en a aussi des petits formats. Hein. Tu sais, j'ai montré le gros Alice tantôt. Il y a évidemment les formats plus réguliers, mais il y en a des petits gros comme une carte postale aussi. Là. Fait que allez checker ça. C'est sur jakedion.com. Vous cliquez sur le petit icône de shop. Et vous allez être direct sur la boutique Etsy. Fait que, oh, prochaine fois, Monkey King. Ah, c'est un beau défi, ça, je pense, ça me tente. Ouais, je vais garder ça en tête. King Baz. Ça me tente, Monkey King. C'est bon. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Pour vrai, c'était super cool. Vous avez full jasé avec moi, ça me fait tout le temps du bien. J'aime ça qu'on ait du feedback, puis qu'on crée une espèce de petite communauté ensemble. Je vais recommencer à avoir des invités dans les prochaines semaines. Évidemment, Cab et Oli, vous êtes dans ma liste. Même si vous êtes déjà venus, je veux vous réinviter pareil pour qu'on dessine pendant comme une heure et demie ensemble. Ça me ferait bien plaisir. Puis, quoi d'autre? J'ai rien à dire d'autre. Fait que merci. Excusez, je pense que je viens de me rendre compte, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Puis je suis comme un peu veg. Est-ce qu'on va raider quelqu'un? Qui c'est que ça vous tente qu'on aille raider? Avez-vous des channels à me recommander? Il y a Slasher Chick qui joue à des jeux vidéo. Il y a Douteux.tv qui joue à des jeux vidéo. Il y a Pépé et sa guitare qui sont en plein show. On pourrait aller voir Pépé. Ça serait-tu cool ça?
Je me rappelle jamais comment que ça fonctionne, mais je pense que c'est slash raid. Ouais. Claire. Donc, on va aller voir Pépé. Puis, yes, see you next time, mardi prochain, on se remet ça. Peut-être avec un Monkey King. En plus, j'ai bien des affaires à dire sur un artiste qui a fait une adaptation de lui. Fait que... Katsuya Terada. Fait que on se rejoint de ça mardi prochain. Merci, gang, d'avoir été là. À la prochaine. On va raider, là. Ah, non. On a un canise command. God, ici. Je suis pas encore bon, là, là-dedans, là. OK, on y va, là. Raid in 7 secondes. 6, 5, 4. Let's go! Bye-bye, tout le monde.